bientôt. Non, pas longtemps. Reviens. Non, non, non. Je suis pas là ce soir. Bon Jean-Jacques, je t'ai coupé en plein élan, là, en pleine écoute de musique. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un concert, un grand concert, au Théâtre de Périgueux. Nous sommes le 2 mars, il fait beau, la salle est prête, les musiciens sont en train de faire le filage. On a pratiquement fini à l'intérieur et là nous allons mettre en place l'organisation finale, c'est-à-dire la réception de tous les gens qui viendront à cette soirée, qu'on espère très nombreux. Notre objectif est très ambitieux, c'est remplir la salle, tout simplement, et à 700 places. Donc tu as un petit badge là, c'est un badge de... C'est le badge de l'UNICEF. L'UNICEF. Donc nous sommes les représentants de l'UNICEF sur la Dordogne, le comité de la Dordogne, essentiellement centralisé sur Périgueux, il faut bien le dire. Et là, tous les bénévoles ont travaillé de façon à pouvoir organiser cette grande soirée qui sera pas unique, on espère, c'est une première, mais on espère pouvoir réitérer si ça se passe bien, si les gens trouvent ça intéressant, si les musiciens prennent plaisir, si les enfants aussi prennent plaisir. Ce sera l'occasion peut-être de réitérer cet événement. C'est une soirée en profit d'UNICEF qui est préparée, qui se prépare depuis quand ? Alors, je suis dessus depuis le mois de septembre. Donc toi, tu es qui d'ailleurs ? Alors moi, je suis le président du comité départemental. On dit délégué aujourd'hui, c'est-à-dire bon, c'est moi qui suis responsable donc, de l'organisation des actions d'UNICEF sur la Dordogne. Ce sont nos initiatives d'ailleurs, on a beaucoup d'autonomie. Donc dans l'immense champ de toutes les actions que l'on fait, on essaie de faire des actions ponctuelles qui répondent à tous les objectifs de l'UNICEF. Donc on a des objectifs qui sont assez clairs en fait. Hein. C'est-à-dire nos objectifs, c'est à la fois de vendre, hein, de dire là, on a ce que l'on vend habituellement, on appelle ça la collection. C'est-à-dire c'est les objets que l'on vend. En général, on vend ça uniquement centralisé sur le moment de Noël, car les cartes, tout ça, c'est associé depuis très longtemps à l'UNICEF au moment de Noël. Mais là, on l'a ressorti à l'occasion. Alors là, on a un petit peu plus loin aussi une de nos autres actions, qui est les dons. Là, on va mettre en place des dons, c'est-à-dire solliciter, parce que c'est ce qui est le plus fructueux. C'est le fait que les gens puissent donner régulièrement à l'UNICEF. La façon la plus simple, d'ailleurs, c'est de faire des prélèvements mensuels, ce qui est le mieux, d'ailleurs, pour l'UNICEF, parce qu'ils peuvent compter sur un budget pérenne sur l'année, ce qui permet de lancer des actions à long terme. Donc là, on essaie d'être incitatif de ce côté-là. C'est l'occasion ce soir. Et puis, on compte faire une belle recette. Alors, dans la mesure où absolument toutes les personnes qui participent à cette soirée donnent leur temps de travail, donnent leurs compétences, ça signifie que l'intégralité de la recette ira à l'UNICEF France et partira sur des actions que l'on choisit. Actuellement, on a des actions à très long terme, comme par exemple à Haïti, ou bien des actions ponctuelles qui sont actuellement, comme on le sait, c'est tous les enfants qui sont sur les routes de la migration vers l'Europe, les Syriens en particulier qui font le gros du cortège, et puis aussi au Yémen, dont on parle moins, mais où il y a des graves problèmes d'urgence humanitaire. Donc tout cet argent-là servira à développer des moyens. L'UNICEF, ses objectifs, c'est d'éduquer des enfants. Qu'est-ce qu'il les aide à sortir de leur pauvreté? C'est dans quel pays à Justine? Alors, en quelques mots, l'UNICEF a été créé en 1946 après la Deuxième Guerre mondiale, où beaucoup d'enfants étaient complètement à l'abandon en Europe centrale. Et puis évidemment, ça s'est développé puisque la situation des enfants est catastrophique dans beaucoup d'endroits du monde. Donc, sous l'égide des Nations Unies, car c'est bien de ça qu'il s'agit. L'UNICEF est une émanation des Nations Unies, c'est pas une ONG. Donc là, toutes les nations sont représentées et donc toutes les nations contribuent. Et les actions de l'UNICEF vont vers les enfants. Alors les enfants, en termes de droit, ça signifie toute
personne, tout être humain qui a moins de 18 ans, tout simplement. Alors, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont dans des situations dramatiques dans le monde, mais ce qu'on essaie de dire aussi, c'est que grâce à des actions comme celle de l'UNICEF en particulier, mais qui n'est pas la seule, depuis 70 ans, on a réussi quand même à éradiquer certaines maladies dans le monde. On a réussi à apporter éducation, hygiène, santé à beaucoup d'enfants dans le monde. Donc c'est très très positif l'action de l'UNICEF. En termes de vaccination, par exemple, il faut savoir que l'an dernier, sur une année entière, on a réussi à vacciner 40 millions d'enfants dans le monde, ce qui est considérable. Ce qui signifie... Grâce à des campagnes de l'UNICEF, hein. Non, ce ne sont pas des campagnes, ça c'est une action qui est permanente, c'est-à-dire qu'il y a des médecins de l'UNICEF qui partent dans les endroits les plus reculés pour vacciner contre des maladies qui nous touchent plus, nous, par exemple. Il faut savoir que la rougeole tue un enfant toutes les 8 minutes dans le monde. C'est-à-dire, on a par exemple la tuberculose qui n'est pas éradiquée. Ensuite, on a un travail énorme à faire aussi sur la fièvre jaune et la malaria. On sait qu'il n'y a pas de vaccin de ce côté-là, mais il y a énormément de prévention à faire. Donc tout ça, l'UNICEF est en numéro un dans le monde pour ça. Alors après, il y a tout le travail qui est lié à l'hygiène. Alors par exemple, un des axes fondamentaux de l'UNICEF, c'est le travail sur l'eau, d'avoir de l'eau potable. C'est un des problèmes majeurs du 21e siècle qui se pose. Dire tout simplement, il faut savoir aujourd'hui, par exemple, le chiffre est simple, c'est qu'un enfant sur quatre n'a pas accès à l'eau potable en monde. Un enfant sur quatre, c'est considérable. Donc là, on travaille pour ça, pour le fait que l'eau puisse être accessible à la consommation, à la cuisine, etc. Mais aussi, on aide grâce aussi à d'autres organisations, à creuser des puits, etc., faire en sorte que les enfants puissent pouvoir rester dans leur lieu de naissance, pour pouvoir y vivre. Voilà, donc on contribue à tous ces programmes-là qui sont permanents. Alors après, on travaille bien entendu sur les moments d'urgence, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des catastrophes, et malheureusement les catastrophes, on le sait, sont nombreuses, soit des catastrophes naturelles, comme par exemple à Haïti, comme par exemple aux Philippines, comme par exemple le tremblement de terre au Népal il y a 2 ans, enfin, c'est de plus en plus souvent. Peut-être pas qu'il y ait des catastrophes naturelles, mais dans la mesure où la population mondiale est de plus en plus grande, plus nombreuse, donc il y a de plus en plus de dégâts. Et puis aussi, on est là aussi pour pallier au désordre humain, c'est-à-dire les guerres, les conflits, etc. Donc là, on essaye aussi d'être là. Et là, la plupart du temps, par exemple, sur des drames comme aujourd'hui la Syrie, eh bien, on travaille évidemment en lien avec tous les autres organismes de l'ONU, comme par exemple le HCR, le Haut Comité aux réfugiés. Donc là, le travail est en partenariat et c'est beaucoup plus simple quand on émane de la même organisation. Alors, combien faut-il que je donne pour sauver un enfant, par exemple? Est-ce que c'est possible, ça, de chiffrer? C'est difficile globalement, mais par exemple, on peut le faire d'une façon simple. C'est-à-dire que, par exemple, avec 1 euro, ça c'est une chose que je dis souvent quand je rencontre les jeunes lycéens, etc. C'est dire, avec 1 euro, il y a 10 vaccins. Donc quand on donne 1 euro, on peut sauver 10 enfants, par exemple, du tétanos. Voilà, c'est-à-dire, donc 10 centimes, si tu me donnes 10 centimes, on peut sauver un enfant du tétanos. Ça peut être une équation qui est audible. Voilà. Alors après, si on veut sauver un enfant dans le sens de pouvoir lui donner une hygiène qui soit pérenne, en plus lui donner accès à l'éducation, évidemment, ça monte un tout petit peu plus. Puis en plus, on rentre après dans une globalité. C'est difficile après de le réduire à un seul enfant. Par exemple, quand on creuse un puits dans la région du Sahel, c'est tout un village qu'on sauve, évidemment. Alors après, il y a des choses, la question est intéressante, hein. Après, on peut la démultiplier. Par exemple, on n'a pas une action spécifique, par exemple, pour les jeunes filles. On ne pourrait pas dire ça comme ça. Néanmoins, quand on sait quand on creuse un puits, par exemple, dans le Sahel, ça veut dire qu'on peut aussi amener aussi la possibilité d'avoir des toilettes. C'est bête comme ça, comme une... des toilettes dans une école. Et si on met des toilettes dans une école, les petites filles vont à l'école. Je veux dire, le fait de construire des latrines, c'est un acte féministe, je pourrais presque dire. Mais de notre côté, en Occident, ça peut paraître désuet, mais en réalité, c'est ça. Les petites filles qui vont à l'école, simplement, il faut que les parents les envoient à l'école.
plutôt qu'aller chercher de l'eau à 20 km, eh bien, si elles vont aller chercher de l'eau qui est à 200 mètres et si elles peuvent aller faire pipi à l'école, elles peuvent suivre et être éduquées à apprendre à lire. Voilà. Donc on peut décliner à envie toutes ces possibilités-là dans les actions de l'UNICEF. Et comment je peux faire confiance, moi, à l'UNICEF aujourd'hui avec ce qui se passe? On sait que Oxfam, il y a des révélations qui ont été faites. Ouais, j'en sais rien. Je veux dire, comment je peux faire confiance à l'UNICEF? C'est un pari. Après, au-delà de cette question-là, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, bon, l'argent que je donne, est-ce que je suis sûr que ça va à l'UNICEF? La réponse, elle est oui. Là, indéniablement, oui. Est-ce que l'argent va sur le terrain? Alors, on m'a posé la question l'autre jour. Mais l'action, est-ce que j'en ai sûr que l'argent... Alors, ma réponse, elle est simple. Je suis sûr que l'argent ne va pas sur le terrain. Simple. Tout simplement parce que sur le terrain, ce n'est pas de l'argent qui va. Ce sont des moyens humains, ce sont des moyens logistiques. Il n'y a absolument pas d'argent que l'on verse à qui que ce soit. Donc, on ne parle, nous, qu'en termes de moyens. Alors, après... les problèmes qu'il peut y avoir qui sont mis en exergue par les médias sur certaines choses qui peuvent se passer d'ordre éthiquement condamnable ou juridiquement condamnable, ça j'en sais rien, moi je ne sais pas. On ne peut pas donner une garantie comme ça pour des milliers de gens qui travaillent sur le terrain. Peut-être qu'il peut y avoir des... Enfin... Aujourd'hui, c'est très très à la mode, mais on n'avait jamais entendu parler de choses comme ça. En tout cas, l'UNICEF, il n'y a rien du tout de ce côté-là. Après, s'il y a eu un décès, là, un humanitaire qui est mort en République centrafricaine, je crois. Ouais. Là, qu'est-ce que tu en penses aussi, donc, parce que tu parlais de gens qui vont sur le terrain, ce ne sont pas de l'argent, ce n'est pas de l'argent, ce sont des gens, et ce sont des gens qui prennent des risques. Extrême, beaucoup de risques, oui. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que... Il faut comprendre que notre organisation, elle est à deux faces. D'une part, ce qui se fait chez nous, et d'autre part, ce qui se fait sur le terrain. C'est très, très séparé. Alors, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui me demandent, je voudrais faire travailler dans l'humanitaire, je voudrais partir en Afrique. Alors, moi, je les arrête tout de suite. Je dis, est-ce que vous avez des compétences médicales? Est-ce que vous avez des compétences techniques, etc. Et la plupart du temps, mais bien sûr que non. Donc, les compétences sur place, elles sont faites pour ça, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse récolter de l'argent, de faire des etc. Et après, sur place, nous, on a des médecins, des équipes médicales, on a des infirmiers, on a des gens qui savent travailler dans l'urgence sur les catastrophes, puis on a des gens qui savent travailler sur du long terme, c'est-à-dire mettre en place, par exemple, tous ceux qui ont mis en place toute la logistique, par exemple, en Jordanie ou au Liban, après les premiers coups d'éclat militaires qui ont eu lieu en Syrie. Donc il faut vraiment des gens qui soient au niveau technique, qui soient très très forts. Et où là, par exemple, intervenir sur les routes de la migration actuellement dans l'Europe des Balkans, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut être capable aussi de passer, de jongler à travers les gouvernements, les policiers, etc., qui souvent mettent des barrières ou font des coups fourrés aux gens de l'UNICEF. Donc il faut des gens, des professionnels sur place. Donc ça, c'est très très sévère, le choix des gens qui vont travailler pour l'UNICEF. Et ils prennent des risques énormes. Alors on n'en parle pas, là on vient de parler en Centrafrique. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que les gens qui vont faire de la vaccination auprès des enfants au Pakistan, par exemple, il y en a beaucoup qui ont laissé leur peau en Afghanistan, au Pakistan. Il y a des médecins de l'UNICEF qui ont laissé leur peau, tout simplement pour aller sauver les gosses, à la fois des maladies et aussi d'obscurantisme, quelquefois. Aussi. C'est-à-dire qu'il faut expliquer pourquoi c'est nécessaire de faire telle action d'hygiène, telle action éducative. Et souvent, sur le terrain, tous ceux qui font ça prennent des risques. Des risques, des grands risques. Il faut les saluer, vraiment. Sinon, comment on s'engage, comment on devient délégué départemental dans l'UNICEF? Ça a commencé par quoi, tes engagements, toi? Alors, soyons honnêtes, moi, j'ai toujours été militant UNICEF depuis très longtemps, plus d'une trentaine, une quarantaine d'années. Sans faire de choses particulières, juste en contribuant la plupart du temps. Et puis quand j'étais à la retraite, je suis venu apporter à l'UNICEF mes compétences, c'est-à-dire savoir parler aux adolescents, passer dans les lycées, les écoles, etc. Et puis bon, j'en étais cantonné à ça parce que c'est ce que j'avais apporté. Et puis bon, mais l'an dernier,
La présidence était vacante, personne ne voulait s'en occuper. Mais je dis bon, beaucoup sont tournés vers moi. Bon, même si j'étais engagé par ailleurs dans beaucoup d'autres choses, je trouvais qu'il y avait un devoir de continuité par rapport à un engagement, même si ça me pose beaucoup de problèmes personnels d'organisation. Mais où on a un engagement, où on ne l'a pas. Enfin, moi, ça, c'est mon éthique personnelle. Hein. Je ne cherche pas à faire prosélytisme, etc. Mais en tout cas, voilà pourquoi j'ai pris ces responsabilités. Mais quand je les prends, moi, j'essaie de les faire au mieux possible. Puis j'espère que dans peu de temps, il y a quelqu'un qui prendra ma place, parce que c'est sûr. C'est ça l'essentiel aussi. Hein. Mais le travail que je fais avec les gosses, avec les jeunes, c'est tellement fructueux, c'est tellement important. Puis moi, c'était toute ma vie. Donc, le fait que de voir des jeunes qui s'engagent comme ça, qui savent réfléchir et qui savent prendre en compte les problèmes à bras-le-corps pour les années qui vont venir, ça, je pense que c'est dans ma petite goutte d'eau à moi, tout simplement. Comment on peut convaincre justement un jeune ou un moins jeune de s'engager, de donner de son temps? Alors, ça va au-delà de donner de l'argent, c'est donner de son temps. Comment les convaincre? Ben, de toute façon, c'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui qui véhicule beaucoup de médias nouveaux, etc., rapides, qui sont... Moi, c'est pas ma culture, hein. Je suis quand même un ancien maintenant. Donc, et j'ai toujours cru, moi, plus qu'à l'information, les panneaux, l'affichage, etc., j'ai toujours cru que c'est la parole qui était le plus important. Donc moi, je continue à parler. Donc quand je vais par exemple dans les lycées, on croit toujours que je vais venir avec un PowerPoint, comme on dit, j'ai jamais de choses comme ça, ou des affiches, je viens toujours les mains dans les poches. Alors enfin, c'est ma façon de faire. Donc comme ça réussit un petit peu, ben, je vais continuer comme ça, quitte à ce que d'autres se servent des moyens que je ne saurais de toute façon pas maîtriser, moi. Alors, il vaut mieux. Comment on imagine le monde associatif? Enfin, l'association aujourd'hui, quel type d'action par exemple? Comment tu imagines l'année qui vient? Là, ce soir, il y a un concert, je crois que c'est la première fois que ça se fait. Oui. Par exemple. Donc des actions un peu originales, un peu... Alors, la question c'est comment faire vivre des associations? Alors, je crois que là aussi, il faut quand même se rénover un petit peu, quelles que soient les associations, c'est-à-dire faire en sorte que même si on doit avoir des gens qui tiennent l'association au niveau des responsabilités, je crois qu'il vaut mieux avoir beaucoup de gens qui viennent donner un petit peu de temps en temps, suivant leurs compétences, plutôt que des gens qui sont installés d'une façon, un peu fonctionnaire. Je ne veux pas être installé dans une place. Il vaut mieux faire des actions comme ça. Et je crois aussi énormément au partenariat. C'est-à-dire faire en sorte, comme il y a beaucoup d'associations, beaucoup de gens qui œuvrent avec beaucoup de... beaucoup d'engagement, beaucoup de réussite. Mais quand on croise nos compétences, quand on croise nos engagements, je crois que là, on démultiplie la réussite et l'efficacité. Donc c'est pour ça que, par exemple, à l'UNICEF, depuis que j'ai pris cette responsabilité, j'accueille aussi d'autres petites associations qui ont un partenariat, par exemple, avec un village africain. C'est-à-dire le fait qu'ils puissent utiliser le relais d'UNICEF pour faire parler d'eux. Je pense que ça, c'est important aussi. Donc ça, je le mets à disposition, toujours évidemment avec un regard préalable quand même sur ce qu'ils font. On peut aller voir un des jeunes, hein, là. Bien sûr, bien sûr. Alors, oui. Alors, ben, je vais vous présenter deux jeunes qui vont ce soir mener le bal. Ouais. Voilà. Alors, ce sont deux jeunes ambassadeurs, deux lycéens. Il y a Marika qui est du lycée Lorgaté et Baptiste qui est du lycée Bertrand de Born. À Périgueux. Allons les voir. Baptiste, Marika. Voilà. Alors, je vous présente Marika. Honneur aux dames et Baptiste de Bertrand. Bonjour, c'est dans le cadre de l'UNICEF. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là cet après-midi? Personnellement, parce que ça m'a beaucoup intéressée, je fais partie du CVL de mon lycée. Et, qu'est-ce que c'est? Le conseil de la vie lycéenne. Et on en a parlé donc au conseil de la vie lycéenne, car on a le lycée Lorgaté a un partenariat avec l'UNICEF. Et ça m'a beaucoup intéressée de m'impliquer dedans, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Tu as quel âge? 17 ans.
Alors moi c'est pas du tout par rapport au CVL que j'y vais. Bon, j'y vais comme ça parce que je connaissais Jean-Jacques, c'est chargé de l'UNICEF, et ça me plaît donc de participer, d'aider ce projet qui est quand même pour les enfants. Et vous œuvrez pour quoi là alors, aujourd'hui particulièrement? Alors il n'y a pas une action particulière, c'est surtout pour récolter des fonds pour les actions de l'UNICEF qui se déroulent un peu partout dans le monde à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Donc il va y avoir un concert caritatif avec plusieurs musiciens qui va passer tout le long de la soirée. Et nous allons passer sur scène pour présenter l'UNICEF plus sérieusement au public. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent au sein de l'UNICEF? Est-ce que tu en connais autour de toi? Autour de moi, dans mon lycée, j'ai réussi à emmener quelques personnes avec moi pour ce soir comme bénévole. Après, non, je ne connais pas beaucoup de jeunes qui font des actions pour l'UNICEF. Et quelles sont les actions essentielles que tu soutiens alors en tant que jeune? Le bénévolat. Auprès de l'UNICEF, les actions qu'il auprès mène. De l'UNICEF, je pense l'éducation pour tout le monde, et après la santé, l'accès à l'eau potable et tout ce qui est mode de vie pour que tout le monde puisse vivre comme il veut. Tu as voyagé toi? Oui. Oui, tu as découvert alors des situations de personnes, d'enfants en difficulté? D'enfants, non, mais je suis allée en Pologne et dans certains endroits de la Pologne, c'est pas très. On peut trouver que c'est quand même la vie est quand même très précaire. Qu'est-ce que vous pourriez dire l'un ou l'autre pour que des jeunes viennent s'engager auprès de vous? Déjà que c'est gratuit, c'est du bénévolat, donc quand on peut, quand on veut, et c'est un moment de passer du temps avec des personnes qui ont beaucoup à nous apprendre. C'est surtout pour du partage, partager avec les enfants qui n'ont pas les mêmes chances que nous, et c'est très important de s'engager pour ça. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 17 ans. Tu as voyagé? Alors moi, je n'ai pas voyagé, mais je connais des personnes qui ont voyagé en Afrique, notamment au Cameroun. Est-ce que tu aimerais travailler dans l'humanitaire? Ah, moi, j'aimerais plus tard travailler dans l'humanitaire, effectivement. Pour y faire quoi? Alors moi, j'aimerais plutôt travailler sur les résolutions de conflits d'un point de vue international avant que les conflits éclatent. Tu es en quelle classe, en terminale? Je suis en première actuellement. Première S, lycée Bertrand Borne. Et toi, tu aimerais travailler dans l'humanitaire? Non, moi, pas tellement. Je ne sais pas tellement, mais je pense me tourner vers les finances. Et si je peux lier mon métier avec une passion ou avec l'UNICEF, ce serait avec plaisir. Ok, donc vous allez faire quoi là ce soir? Vous présenter? Vous allez tenir des stands aussi? Personnellement, nous non, mais certains bénévoles jeunes vont tenir les stands et tenir la buvette aussi. Jean-Jacques, tu m'amènes à voir les musiciens là? Ah mais les musiciens, oui, je crois que les musiciens ont presque fini leur filage. Il doit y en avoir encore un. Allez, on okay. Les ramène, d'accord. Merci. Ah non, tu voilà. Peux montrer aussi les petits cadeaux là, oui. Enfin les petits cadeaux. Oui, enfin les articles, c'est là les articles de l'UNICEF. Voilà, bon c'est notre grand classique, c'est ce qu'on vend en général, comme je disais tout à l'heure, c'est la période de Noël. Mais là c'est l'occasion quand même, on ne sait jamais. De toute façon, quand on sait que si on vend ça, un imagier 16 euros, ça veut dire qu'on a 160, ça correspond à 160 doses de vaccination. Donc il n'y a pas de petit, vente. C'est vraiment notre credo de base. Voilà. Alors en France, il y a un mouvement d'opposition, de réserve tout au moins à l'égard de l'utilisation des vaccins. Ouais, mais c'est des ignorants. C'est des ignorants. Moi, ma position par là, elle est très très simple. On va la faire très simple. Je veux dire, ce sont des arguties de nantis. Ça n'a rien à voir avec la situation la vraie situation des enfants dans le monde. Je veux dire, alors allons voir les enfants qui sont en train de mourir actuellement de la rougeole, qui meurent de la tuberculose, qui meurent du tétanos. Allons voir si ne pas vacciner, c'est un acte humanitaire. Pour moi, c'est simple. Hein. Ce débat sur les vaccinations, etc., même s'il y a une réflexion qu'il doit y avoir, bien entendu, mais je veux dire, ce sont des actes de... Pour moi, ce sont des débats de... Comment dire, très individualiste. Pour moi, la vaccination, pourrait présumer, c'est un acte civique. C'est pas se protéger soi, c'est protéger les autres. Je veux dire. L'UNICEF vaccine, de prendre la vaccination. Pardon ? Protéger les enfants. De protéger les enfants, sauver les enfants, sauver des vies, des millions d'enfants. Vacciner les enfants, c'est sauver des millions de vies. L'équation est simple. Alors après, on peut avoir des débats sur la. Après, c'est très technique hein, sur le contenu des vaccins. C'est bien entendu.
Ben, je crois qu'on va s'arrêter là parce que j'arrive à la fin, on est 25. Ouais, d'accord. Donc on va finir un plan sur SM peut-être. Ouais, ouais, d'accord, voilà. Et voilà. Donc on va souhaiter une belle soirée, merci pour ton éclairage. Merci. Il y a des enfants là déjà qui sont arrivés, qui vont participer à la soirée. Oui, oui, c'est des enfants qui vont participer au chœur, qui vont chanter. Okay. Merci Jean-Jacques.